Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, Omnisport, Dom Garindiaï, Warul Tid, Warul Ragal. Donc je souhaite à tout le monde un très bon magal et un excellent week-end de football. Donc ça c'est très clair. Donc, on va parler des Sénégalais. Week-end Bidnarnané, on aura des matchs de très haut niveau. Donc, on va parler de deux rangs Sénégalais. Et à maintenir le week-end bi, warna nekat sen déclic. Week-end bi warna mëna duggal pour mëna relancer sen saison. C'est Boulaye Dia, Ibrahima Niane. Boulaye Dia de Villarreal, Ibrahima Niane de Metz. Ñom ñaan ñop ils ont le même combat, reprendre la machine à but, redémarrer la machine à but. Pourquoi? Parce que l'an dernier, après époque, ñu ngi ci benen niveau. Ils marquaient des buts chaque week-end. Mais cette saison, c'est un peu différent. Ils jouent, ils ont du temps de jeu, mais les statistiques ne suivent pas comme l'année dernière. Montant, ils doivent se ressaisir parce que ce sont deux attaquants prometteurs et deux attaquants très très talentueux. Moi, Boulaye Dia, comme Ibrahima Niane, nous sommes en train de se faire le maillot Sénégal. Donc, Boulaye Dia, il a porté le maillot de l'équipe nationale. Ibrahima Niane, son logo. Donc, on attend donc, sa première sélection sur le maillot des Lions du Sénégal. Donc, peut-être Aliou Cissé, mon robot, il est parce que Aliou Cissé va publier sa liste. Le 1er octobre, Aliou Cissé va publier sa liste. Voilà, donc ça c'est très clair. 1er octobre, le 23, c'était le jeudi. 1er octobre, c'est le vendredi. Par septembre, 30 jours. Donc, vendredi prochain, on aura la publication de la liste d'Aliou Cissé. Parce que Dao, après l'époque, Ibrahima Niane et Boulaye Dia, ils rivalisaient avec Burak Yilmaz, Neymar, Mbappé. Ils étaient exceptionnels. Donc, ça, c'est très clair. Et actuellement, lors des trois premières journées, donc Niane a lancé sa saison lors de la quatrième journée en marquant un penalty donc contre Reims, puis un triplé contre Lorient, donc cinquième journée. Donc Dao, Ibrahima Niane n'a pas géré. Donc ça c'est très clair. Donc Ibrahima Niane comptait 6 buts après 7 journées l'année dernière. Après une vilaine blessure, ligament croisé. Si on a une blessure, même en novembre, quand j'ai joué à Guinée-Bissau, je suis allé retour, Aliou Cissé n'a pas joué forcément. Parce qu'il était le meilleur attaquant sénégalais en Europe. Mais la vilaine blessure, il n'a pas joué. Mais quand même, il est retour à la commission, il est l'attaquant numéro 1 du FC Metz. Et donc vraiment, il a donc de très bonnes dispositions pour réaliser une très belle saison. Boulaye Dia aussi, même chose. Donc Boulaye Dia Dao, il a une saison beaucoup. Il a marqué 14 buts l'année dernière. 14 buts. Le premier meilleur buteur sénégalais en Ligue 1 l'année dernière, c'était Boulaye Dia. Donc, il a une saison beaucoup avec Reims, et Lyon, Lazio, Marseille. Finalement, il a atterri à Villarreal, le sous-marin jaune, avec donc Unai Emery. Unai Emery, là, il demande du temps pour Boulaye Dia. Parce que le temps d'adaptation, il a quitté un championnat pour un autre. Et en combien de temps, la machine va démarrer. Donc, ça, c'est réglé. Mais nous avons confiance qu'ils y arriveront. Donc on est comme le donc Boulaye Dia donc Danjouma Arnaud Danjouma quoi ça commence à douer le Néerlandais de 24 ans mon mieux douer mais Boulaye Dia Bolégi mon douer douer mais donc Boulaye Dia c'est un excellent joueur qui s'est face à Chelsea Super Coupe d'Europe. Donc, il a fait une très belle passe pour Gérard Moreno pour l'égalisation après une petite robine à face à Chelsea. Donc Boulaye Dia il a très bonne disposition mais le côté c'est mon but Ibrahima Niane aussi mon dernier match au bas avec Metz. Mais mon plus grand handicap est la mauvaise saison du SMS. Mais actuellement, ils ne sont pas en forme. Donc, ils ont impacté sur son rendement offensif. Donc, ça, c'est très clair. Mais donc, vraiment, Antonotti, nous commençons donc de take pression Ibrahima Niane. Et ce week-end, c'est le bon moment pour Ibrahima Niane, comme pour Boulaye Dia, pour du Monaref. Différence. Parce que Metz des jeux dimanche face à Brest, 13h. Donc, un match déplacement en Bretagne. Donc, ça sera un match donc, qui sera donc, très, très suivi. Voilà, donc un match qui sera très très suivi en Bourgogne. Donc Brest et Auxerre donc sont des donc Bourgogne. Donc Guinée dans les Bourguignons. Voilà, donc Bourguignons, les régions françaises là. Voilà, donc déplacement de Metz à Brest pour Ibrahima Niane pour relancer la machine en but parce qu'on a besoin de Ibrahima Niane en forme. Parce que Ibrahima Niane, Metz sort comme l'équipe nationale du Sénégal sort parce qu'il a les talents donc pour s'imposer
en équipe nationale du Sénégal. Parce que l'attaque du Sénégal reste toujours ouverte à tout le monde. Donc Villarreal, membre des jeux, à que donc Villarreal va se déplacer au Real Madrid ce samedi, 19h, un grand match. Ça, c'est un grand match pour Boulaye Dia. Et c'est le bon moment pour Boulaye Dia, Mouane Bopam. Au Santiago Bernabeu, face au Real Madrid de Karim Benzema, intenable. Nous allons comparer Boulaye Dia, Benzema, ils sont techniques et tout. Donc Boulaye Dia, c'est le bon moment, dans un grand match, de lancer sa saison avec Villarreal. Pourquoi? Parce que Benzema, actuellement, c'est le très haut niveau. Ancelotti, il est complet à tout point de vue. Parce que le début de saison, Ronaldo Musco def, Messi Musco def. 15 buts, il est impliqué dans 15 buts, 8 buts et 7 passes décisives. Donc Benzema, c'est le très haut niveau en 6 journées. Benzema a marqué son 200e but en championnat lors du dernier match face à Mallorca. Donc vraiment, donc Benzema, c'est le très haut niveau. Capitaine du Real Madrid, il est au Real depuis plus de 10 ans. Donc vraiment, c'est le meilleur attaquant actuellement au monde. Ça, mon, rien à dire. Donc Boulaye Dia avec Ibrahima Niane, donc vraiment, il faut marquer parce qu'on a besoin de vos buts. On a besoin de vos buts en club, mais aussi, donc pourquoi pas, en équipe nationale du Sénégal. Donc, Sadio MANÉ aussi a un objectif. Sadio MANÉ a marqué son 101e but, toutes commissions confondues avec Liverpool. Mais Sadio MANÉ a marqué 172 buts en 409 matchs. 172 buts en 409 matchs. Sadio MANÉ, bon record là, visé, c'est le record de Papiss CISSÉ. Papiss CISSÉ, c'est le meilleur buteur sénégalais en activité, en club. Zori Hamdé, actuellement, nous football. Ils ont eu les buts avec leur club, Papiss CISSÉ, avec 188 buts en 441 matchs. Deuxième, c'est Damdoy, 184 buts en 456 matchs. Troisième, c'est Sadio MANÉ, 172 buts en 409 matchs. Quatrième, Moussa Sow, 165 buts en 474. Mambirom Diouf, 140 buts. Moi aussi, je suis correct avec Atay Sport. Mahed Diop, 137 buts. Famri Diédu, 111. André Senghor, 108. Mbaye Diagne, 100 buts. Moussa Konaté, donc 89 buts. Donc ça, c'est le top 10 des meilleurs buteurs sénégalais. Donc en club, il y a en activité. Arrêtez une carrière. Donc Sadio MANÉ, il est à actuellement 16 buts pour atteindre le record de Papiss CISSÉ. Je ne peux atteindre cette saison. Pourquoi pas le dépasser l'Olympique Hart? Parce qu'on veut Mdoul championnat et puis le 20, Ligue des Champions veut marquer une dizaine de buts. Parce qu'on veut Sadio MANÉ en pleine forme. L'Olympique Hart. Donc ça, c'est très bien. Donc Sadio MANÉ, l'Olympique Hart ce week-end. Donc ce week-end, Liverpool, donc en Angleterre, Liverpool va se déplacer à Brentford ce samedi 16h30 GMT. Liverpool face au promu Brentford, un match piège. Parce que Brentford, nous y def. Donc, il y a une performance de Jégido. Donc, Mbaye Niane, un national sénégalais, est attendu à Bordeaux. Donc, feuilleton Mbaye Niane, Rennes Diagne. Donc, il va jouer chez les Girondins de Bordeaux, ancien club de Souleymane Diawara et de Youssouf Sabaly. Donc, Dien veut une rallonge salariale. Donc, Cheikh Bamba, Dien veut beaucoup de New York salaire. Donc, ça, c'est très clair. Donc, parce que actuellement, il y a une performance de Jégido avec Marseille, c'est l'attaquant titulaire. Donc il va être appelé par Aliou Cissé. Donc Bamba Dien, il fait de très bonnes choses. Donc moi actuellement, je lui demande une rallonge salariale, revalorisation salariale. Donc récemment prolongé son contrat de 3 ans avec 4000 euros par mois la première saison, 5000 euros la deuxième saison et 6000 euros la troisième saison. Moi actuellement, je veux beaucoup de yok tiré dans l'ligne parce qu'actuellement, il fait de très bonnes performances. Donc war nañ ko mëna yokol tiré Dolilko, Nier. Donc, tay 19h, on aura la demi-finale, la grande demi-finale Afro-Basket féminin Sénégal-Nigeria. Revanche ou confirmation? Parce que Nigeria, moi, une douleur ne peut pas passer. Donc, on veut vraiment donc, la revanche. La double championne d'Afrique en titre, l'équipe à battre dans cet Afro-Basket. Elle n'a plus perdu de match depuis l'édition 2015, où elle avait été sortie par le Cameroun en demi-finale. Donc, Nigeria, depuis 2015, n'y a qu'un match Afro-Basket. Donc, c'est la meilleure équipe du tournoi actuellement, depuis 2015. Moi actuellement c'est l'équipe à battre. Moi coach subi donc Moustapha Gueye néna le Niger est une grosse équipe mais on a les dispositions, on a les qualités pour s'imposer. Bintou Diémé aussi menace des Lions du Sénégal néna nous devrons être trop durs néna match de forum mettre Fong Tolkani, Pachel Lingom, Rick Bogut comme ça on va éliminer les Lions vont dévorer les Super Eagles. Voilà les donc Zeglon du Nigeria donc ça serait d'ailleurs les chiffres sont plus favorables aux Lions. À l'issue des deux tours. Donc, du point de vue de la compétition, les Lions ont un avantage par rapport au Nigeria, mais la compétition reste la compétition. Et les Nigériens sont des bêtes de compétition. Donc, il y a 16h, Cameroun-Mali, 19h, Sénégal-Nigeria. Donc, nous avons gagné une finale. Donc, l'or aussi, l'air n'a pas gagné. Donc, nous avons gagné une finale.
Sénégal, Tchakao Tchakanam, les Lions de Moussafa, nous sommes les Nanya, Kounandaou, nous sommes Yassine Diop, nous sommes Mam Marissi, vraiment, on veut la coupe. Coupe la New Bug. Sénégal, coupe la New Bug. Tchadjouras, tchadjouras.